Communiqué de presse de la plateforme de confession religieuse sur la désignation des membres du bureau de la CENI. La plateforme de confession religieuse a pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale de faire de la question des réformes électorales une des priorités de cette session parlementaire et de sa demande aux concernés d'amorcer la procédure de désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Tout en reconnaissant la pertinence de ne pas attendre la fin des réformes de la loi électorale pour désigner les membres du bureau de la CENI, nous pensons que ce délicat travail que nous nous engageons à commencer dans les prochains jours ne pourra être finalisé dans le meilleur délai que si dans l'entretemps, l'Assemblée nationale s'active à traiter d'urgence la proposition de loi relative à l'organisation de la CENI. L'adoption de cette loi, qui a déjà régulièrement suivi la procédure et dont le débat dans les deux chambres peut raisonnablement prendre au maximum un mois, permettra aux différentes structures de désigner leurs délégués à la CENI en quelques jours seulement. Nous serons très édifiés de voir cette matière être conséquemment classée en priorité dans les calendriers de l'Assemblée nationale. Dans l'entretemps, pour des raisons pratiques, la plateforme des confessions religieuses demande à tout celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse à la CENI de déposer sa candidature auprès d'une seule confession religieuse de son choix au plus tard le vendredi 9 avril 2021. À la plénière de plateforme de confession religieuse, des candidatures seront adoptées et présentées à l'Assemblée nationale de façon consensuelle. La présélection sera faite au niveau de chaque confession sur base des critères suivants: l'expertise en la matière électorale, l'expérience, l'intégrité morale, la crédibilité, le courage, la personnalité, l'indépendance vis-à-vis des politiciens, etc. Seules 3 candidatures au maximum par confession religieuse seront présentés à la plénière pour la suite de la procédure. Puisse l'esprit et la lumière du Très-Haut éclairer les uns et les autres pour le bien de tous. À la signature, tous les représentants de 8 confessions religieuses, je vous remercie. Vous venez de rencontrer le bureau de l'Assemblée pour l'Assemblée nationale. Et la suite d'activité, comment prévoyez-vous ? Non, nous sommes très contents de vous annoncer que les violons s'accordent très bien avec le bureau de l'Assemblée nationale qui a reconnu l'urgence de traiter en urgence, si vous me permettez la tautologie, la loi Lutunu sur l'organisation de la CENI qui est déjà sur sa table. Donc voilà pourquoi nous n'allons pas hésiter à commencer nous aussi la procédure pour arriver à désigner notre candidat ou nos candidats selon ce qu'on aura su de la réforme. Et là, nous avons lancé le message, l'appel, la candidature, si vous voulez, à tous les ambitieux qui prétendent en avoir la compétence. Chacun choisira une confession religieuse où il est le mieux connu, quoi, présentera sa candidature. Les critères sont là. Chaque confession religieuse examinera les candidatures reçues pour ne retenir que 3. Et quand les 3 viendront à la plénière, donc ça signifie 3 au maximum pour chaque confession religieuse, ça va être des candidatures qui vont être adoptées par tous
et ça va aussi être présenté à l'Assemblée nationale parce que c'est la procédure de façon consensuelle. Donc je crois qu'on a tenu compte des erreurs du passé qu'il faut reconnaître avec beaucoup d'humilité. Par ailleurs, Dieu écrit droit avec les lignes courbes et permet certaines erreurs pour nous interpeller et amener à faire mieux. Et c'est vous rassurer la population que cette fois-ci, vous êtes vraiment unis et vous allez présenter un candidat avec un consensus. Bon, d'abord, il faut préciser les choses. S'il faut parler de division, c'est sur un point donné et pas de façon essentielle. Donc la plateforme est restée plateforme, même en ces temps que nous pouvons considérer des crises, on se considérait comme frères, malgré ce que nous avons suivi. Mais sur cette question-là, il y avait des divergences, et voilà pourquoi, pour améliorer, nous avons proposé cette procédure que vous venez d'entendre.